Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Angers au congrès de l'INTEC, autrement dit des économistes de la construction. Et avec moi, monsieur Jean-Marc Poget, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué expert au CNDB, vous êtes aussi architecte. Et vous venez nous parler aujourd'hui d'un opus que vous avez réalisé sur le logement collectif. C'est un, on va dire, des décryptages de projets. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, c'est un document que nous avons réalisé à la demande des opérateurs qui font du logement collectif, parce qu'on a de plus en plus de demandes là-dessus, sur le logement collectif, de manière à ce qu'ils aient des références d'opérations réalisées, décryptées, pour mieux en comprendre la conception technique, mieux en comprendre les retours des opérateurs, l'entreprise, le promoteur, et puis avoir également, bien évidemment, des références de coûts constatés sur les opérations. Voilà, donc c'est vraiment du retour d'expérience. Absolument, c'est tout à fait ça. Qu'est-ce qu'on va y trouver dans ces... Par exemple, si on prend un exemple, qu'on essaye de détailler un petit peu plus, on a les modes constructifs, on a les... sur quel type de mode constructif êtes-vous parti ? Alors, il y a quatre opérations qui ont été analysées. Les quatre portent essentiellement sur l'ossature bois, qui est la technique la plus répandue et qui correspond à un DTU, donc on n'est pas sur des techniques propriétaires. Toutefois, une des opérations est mixée avec l'OCLT, qui est une technique qui monte également. Il était intéressant de montrer la mixité des deux matériaux. Dans le document, on verra les techniques constructives. On a également répertorié toutes les mesures acoustiques réalisées sur les opérations, parce que c'est un point qui est quand même sensible. Et elles sont d'ailleurs toutes valables. En quoi c'est sensible ? Eh bien, on s'inquiète beaucoup avec les systèmes bois d'avoir des performances acoustiques qui permettent de répondre à la réglementation acoustique logement. Donc il est important de rapporter toutes les mesures qui ont été réalisées. C'est de montrer qu'on est capable. En fait, ce que vous voulez montrer, c'est qu'on est capable de le faire, qu'on a déjà fait, et que les techniques pour le faire bien existent. Vous l'avez parfaitement résumé, c'est exactement ça. Voilà, donc on ne va pas arrêter tout de suite. Mais à qui s'adresse cet opus ? Alors, il a deux cibles essentiellement, c'est la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage. La maîtrise d'ouvrage pour lui donner des éléments de référence, et puis la maîtrise d'œuvre pour découvrir les bonnes techniques qui permettent d'y arriver. Je me permets de rajouter également dans le document, on a veillé à une chose, c'est d'avoir à l'intérieur un certain nombre de renvois vers les documents indispensables pour pouvoir travailler correctement. Ce sont des documents réglementaires ou alors des documents un peu vulgarisateurs qui vont servir aux concepteurs. Vous pouvez nous les citer, je ne sais pas si la liste est trop longue, mais quelques-uns des documents vraiment indispensables lorsqu'on s'intéresse à la construction bois. Alors, il y a évidemment les éléments réglementaires tels que les DTU. On a également des éléments qui ont été réalisés dans le cadre de pactes, notamment quand on veut travailler sur le CLT, qui sont très intéressants. Toujours dans le cadre de pactes, vous avez les systèmes de façade ossature bois rapportés sur béton, bien que maintenant le DTU 31.4 soit sorti. Et puis tout récemment, un travail qui a été fait avec l'AQC sur les bâtiments de grande hauteur avec toute une série de recommandations. On va trouver les liens directement dans le document. On trouve les liens dans le document. Donc aujourd'hui, un document papier, parce que nous sommes sur le salon des économistes de la construction, mais c'est aussi un document que l'on peut télécharger sur le site du CNDB, c'est ça ? Voilà, il est en libre téléchargement, vous pouvez le faire, et peut-être encore même plus pratique puisque les liens sont actifs. Voilà. On a les liens actifs, on n'est pas obligé de les taper sur son clavier d'ordinateur. Voilà. Écoutez, merci d'être venu sur le plateau de Bâti Journal TV nous parler de cet opus, un logement collectif bois, quatre exemples, et on peut télécharger tout ça sur le site du CNDB. Il y a une chose qu'on n'a pas dit, qui finance ? Alors, le document est réalisé par le CNDB, Comité National Développement du Bois, qui est l'organisme de communication de la filière forêt-bois, et le document est financé par le CNDB via le CODIFAB. Merci. Merci donc d'être venu sur Bâti Journal TV pour nous en parler. Une émission à retrouver sur notre site internet et sur les sites de nos partenaires que sont France Bois Forêt et l'INTEC. Merci à vous. Merci.